dispose à nous faire du bien. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu as la liberté d'agir. Précieux Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu as la liberté de présider. Précieux Saint-Esprit, nous voulons te dire cet après-midi que tu as l'entière liberté de bousculer le protocole, de chambarder tout, que tu présides ces cultes, que tu inspires les cantiques, que tu sois le maître de toutes tes paroles qui seront libérées en ces lieux. Précieux Saint-Esprit, tu as la liberté de toucher les vies. Précieux Saint-Esprit, booste-nous encore dans la présence de Dieu. Père, merci. Car nous avons près de toi en Jésus cette assurance que dans ta présence tu nous agrées. Parce que ce n'est pas le pécheur d'hier que tu vois, mais nous sommes revêtus en Christ qui n'a point connu de péché. Voilà pourquoi nous sentons la bonne odeur de sa sainteté, de l'agneau sans tache ni défaut. Et tu nous agrées dans ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te prie.
nous sommes là pour t'adorer. Emmanuel, nous sommes là pour te célébrer. Toi qui nous as réconciliés avec nos destinées. Toi qui nous amènes à faire la paix avec celui qui est notre Créateur. Emmanuel, reçois l'adoration. Emmanuel, nous voulons encore nous souvenir de ce que tu as accompli à la croix. C'est toi le Seigneur Adam qui a paru, alléluia, pour écraser la tête du serpent. Toi de la descendance de la femme, toi qui vaut plus que le prophète, Jésus de Nazareth, qui a opéré sur la terre comme toi, qui a marqué l'histoire des peuples et des nations comme toi. Nous sommes là pour dire tout le bien que nous pensons de toi, toi notre Seigneur, notre Sauveur, toi qui fais, ô Dieu, que nous n'ayons point peur, malgré les vallées, malgré les tribulations, malgré les épreuves, nous savons en qui nous avons cru, le Dieu qui ne dort point, le Dieu qui ne sommeille point, le Dieu qui veille sur Israël. Rabasé, le Kolobosha, le Bobobodanda Rabasé, viens siéger au milieu de la louange de ton peuple. Oh,
Alléluia, le Seigneur. Escortez du côté des ovations qu'il mérite. Aide-moi à planer très bien, très bien, très bien pour le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons passer ce temps encore dans l'adoration. Prépare ton cœur à t'approcher davantage de lui. Nous voulons avoir un temps des intimes. Le temps où le voisin ne peut ne pas comprendre ce que tu fais. Qu'il a pris notre place, il a porté nos fardeaux, il s'est fait pécher pour que nous devenions justice. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée de nous rassembler. Toi qui as dit, il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble, parce que c'est là que tu envoies ta bénédiction. Laisse que tu nous bénisses encore cet après-midi, que tu bénisses chacun de nous sans exception, Seigneur. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Viens encore nous édifier, viens nous encourager. Nous avons tous besoin de toi. Moi d'abord, mon frère et ma soeur ensuite, viens nous aider, Seigneur. Parle-nous, édifie-nous, console-nous, rappelle-nous ce que nous connaissons, enseigne-nous ce que nous devons connaître, et que toute la gloire soit pour toi. Laisse que le ciel soit ouvert, laisse que ta faveur soit sur nous, laisse que ta grâce soit multipliée, Seigneur. Laisse que la puissance de ton royaume soit au service de la vérité qui est ta parole. Laisse que les plans de l'ennemi soient déclarés, ni le fait dans nos vies. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Veuillez entendre le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci bien. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui ont travaillé fort. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce que tu me donnes, qui me donne d'être là avec mon épouse. Nous remercions vraiment le Seigneur pour cette invitation, cette opportunité de pouvoir être ensemble avec nous cet après-midi. Je salue aussi les hommes de Dieu, les deux prophètes personnels du pasteur, mais aussi tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu qui est dans la salle. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui organise des choses et qui nous accueille vraiment, que Dieu les bénisse. Depuis qu'on est là, on est très bien soigné. Que Dieu soit loué. Je remercie une fois de plus le prophète Christian
qui m'a permis de travailler avec lui aussi la semaine passée. C'était une très bonne expérience pour nous et nous bénissons le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Je bénis Dieu aussi pour mon frère Jean-Claude. Ce séminaire qui est organisé chaque année dans notre église sous le thème que les ténèbres cessent. Et cette année, le sous-thème était tiré du livre du prophète Zacharie au chapitre 14 et le verset 7, où la Bible dit à la fin de ce verset, « Mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Alléluia. Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie chapitre 14 et le verset 7. Alors nous avons dit que pour bien comprendre ce verset où le verset est tiré, il fallait placer le verset dans son contexte. On parle ici du retour du Seigneur. Dans le verset, dans le chapitre 13 du livre de Zacharie, on parle comment le Seigneur est venu la première fois et il a été frappé et ses brebis ont été dispersées. Et la Bible dit, si tu frappes le berger, les brebis seront dispersées. Et quand il est venu la première fois, il a été frappé et ses brebis qui est Israël, le peuple d'Israël a été dispersé. Maintenant, dans le chapitre 14, on parle du retour du Seigneur, pas pour l'enlèvement, mais pour établir son règne sur la terre. Et la Bible dit, il viendra avec ses saints, il y aura une bataille et Israël sera malmené et Israël va souffrir. Et la Bible dit dans le verset 6 de Zacharie 14, ce sera une journée sans lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui viennent. Alléluia. Et la Bible ajoute quelque chose d'important qu'on a souligné dans le verset 7, que ça sera une journée qui sera ni nuit ni jour. C'est très très important de voir ça. Ça sera ni jour ni nuit. Mais ce n'est pas normal parce que dans Genèse chapitre 1, Dieu avait séparé la lumière des ténèbres. Il a établi le jour et la nuit. Et dans Genèse chapitre 8, le verset 22, il va dire que le jour et la nuit se succéderont. Ils ne seront pas mélangés. Mais là, il dit une journée qui sera ni nuit ni jour. C'est le signe de la confusion. Quand on ne peut plus distinguer le jour de la nuit, c'est le signe de la confusion. Là où il y a les ténèbres, règne la confusion. Et la Seigneur va ajouter, et c'est là qu'on a tiré les thèmes, mais vers le soir, quelqu'un dit avec moi, vers le soir, la lumière paraîtra dans ma vie. Dis encore avec moi, vers le soir, la lumière paraîtra dans ma vie. Quelque chose encore d'intéressant, n'est-ce pas? Parce que normalement, la lumière ne paraît pas le soir. Si tu n'as pas eu la lumière le matin, ce n'est pas le soir que tu vas la voir. Le soleil s'élève le matin. La lumière apparaît le jour. Mais là, la Bible dit vers le soir. Pourquoi Israël sera dans un soir? Israël sera dans un moment de désespoir. Les nations vont l'entourer. C'est la bataille d'Armageddon. Dans la vallée qui va se créer au bas de la montagne des Oliviers. Quand le Seigneur va arriver, cette montagne va se séparer en deux. Il y aura une vallée. Et c'est dans la vallée qu'il y aura la bataille. Et la Bible dit, Israël sera tellement coincé. La Bible dit, deux tiers d'Israël va périr. Il n'y aura qu'un tiers qui va rester. Et c'est pour ces un tiers-là que la lumière va apparaître. Pas le matin, mais le soir. On a dit que le soir, c'est le moment de désespoir. Le soir, c'est quand tu commences à dire, c'est fini pour moi. Le soir, c'est quand tu dis, je n'ai pas gagné, c'est fini. Quand le soir arrive, on s'attend à la nuit, pas à la lumière. Quand le soir arrive, on s'attend à ce que la nuit vienne. C'est les ténèbres. Mais le Seigneur dit, le soir, la lumière va paraître.
C'est-à-dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui peut agir au moment où toi tu crois que c'est fini. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui peut se manifester quand le monde dit c'est fini pour toi. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui peut agir quand toi-même tu commences à dire c'est fini. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu peut se manifester. Tu sais, Pierre était dans la prison. On l'a arrêté, on l'a mis dans la prison. Il est resté dans la prison. La nuit qui précédait le matin où il devait être tué, c'est à cette nuit-là que l'ange a été envoyé par le Seigneur pour les sortir. Parfois, tu peux te dire, j'ai comme l'impression que c'est le soir dans ma vie. Je m'attends seulement à la nuit. Il n'y aura plus rien dans ma vie. Le Seigneur dit, fais attention, parce que je peux briller dans ta vie quand tout le monde pense que c'est ça, sera la nuit. Amen. Il dit, le soir, la lumière peut apparaître. Amen. Le soir, au moment où on n'attend pas la lumière peut venir. Pour faire quoi? Nous avons dit, c'est pour arrêter les ténèbres. Et nous avons dit que l'une des caractéristiques des ténèbres, c'est la confusion. Dans Job chapitre 10, verset 22, la Bible dit, le pays des ténèbres, c'est le pays de l'homme, de la mort et de la confusion. Et nous avons dit que l'une des caractéristiques pour reconnaître que les ténèbres est en train de combattre ta vie, c'est la confusion. Quand tu commences à marcher dans la confusion, quand tu commences à avoir l'impression de ne plus discerner les choses, quand tu commences à avoir l'impression de ne plus voir clair dans ta vie, c'est un signe que les ténèbres sont en train d'agir. Alléluia. Et nous avons donné quelques caractéristiques de la confusion. Vous ne pouvez pas tout donner. Nous avons dit qu'il y a la confusion, il y a le sentiment de ne pas vivre le plan de Dieu. Le plan qu'on attendait de Dieu, quand on ne vit pas, on est dans la confusion. Daniel va dire dans Daniel chapitre 9, à toi la justice, à nous la confusion. Pourquoi? Parce que nous sommes les peuples de Dieu. On n'était pas censé être des esclaves. On n'était pas censé être en prison. On a déjà été esclaves en Égypte. Et Dieu nous avait libérés. Il n'avait pas dit que nous retournerions encore dans l'esclavage. Mais quand Daniel était à Babylone, Daniel s'est rendu compte que je suis de Juda. Et Daniel s'est rendu compte qu'il servait un roi païen. Daniel s'est dit, moi je ne devais pas être à Babylone. Normalement je devais être à Jérusalem. Je ne devais pas être en train de servir un roi païen. Si un roi a servi, ça serait un roi de Dieu, un roi choisi par Dieu. Prophétisé par les prophètes, point par les sacrificateurs. C'est lui que je devais servir. Donc quand un enfant de Dieu vit un plan qui n'est pas conforme à la promesse de Dieu, au plan de Dieu, à la destinée de Dieu, c'est un moment de confusion. C'est là que Daniel a dit, je dois recourir à la prière. C'est que quelque part, nous avons péché contre Dieu. Voilà pourquoi la confusion est entrée. Et la confusion, c'est un signe de ténèbres. Et c'est comme ça que Daniel s'est engagé dans la repentance. Parce qu'il voulait que le Seigneur lui parle comment la confusion doit prendre fin. Alléluia. Comment la confusion doit prendre fin. En tant qu'enfant de Dieu, quand je vis un plan qui n'est pas conforme au plan de Dieu, c'est un moment de confusion. Quelqu'un me dit amen. C'est un moment de confusion. Quand le Seigneur me promet la paix, et moi je ne vis pas la paix, je suis un peu comme confus. Parce qu'il est Yahweh Shalom pour moi. Et c'est comme si je ne vis pas cette paix. Quand le Seigneur dit, Marie, aimez vos femmes, et je n'arrive pas à aimer ma femme, c'est un moment de confusion. Parce que je me pose des questions, pourquoi je ne suis pas capable? Quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, quand une sœur sent que la rébellion vient la chercher, l'orgueil vient la chercher devant son mari, elle se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Quand la Bible dit, enfin, honorez les parents et soyez soumis aux parents. Mais si moi, je vis, mais je sens que j'ai du mal à être soumis à mes parents, je vis une confusion. Quand la Bible dit, je serai la tête et non la queue. Mais je me rends compte dans tout ce que je fais, je suis plutôt la queue et non la tête.
je commence à dire, peut-être je vis un moment de confusion. Nous avons dit aussi, là où il y a la confusion, il y a absence d'ordre et d'organisation. Alléluia. Il y a quoi? Absence d'ordre et d'organisation. On avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, que tu connais, dans le verset 14, comment on parle de comment le corps est bien organisé par le Seigneur. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où Dieu règne, l'ordre règne. C'est quand Dieu ne règne pas que l'ordre ne règne pas. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse au chapitre 1, quand Dieu a commencé à créer, il a commencé à mettre de l'ordre là où il y avait des désordres. Il a créé la lumière. Et il a fait tout ce qu'il a fait. Après, il a placé l'ordre. Il a donné à l'homme des instructions. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Quand il a créé la nation d'Israël, il a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Abraham était préoccupé. Abraham était triste. Il a dit à Dieu, pourquoi tu me bénis si c'est mon serviteur qui va prendre tout ça? Non, Dieu lui a dit, non, il y aura de l'ordre. Ce n'est pas ton serviteur. Il peut travailler pour toi, il peut être béni, mais ce que j'ai dit arrivera. À un moment donné, Abraham était tellement dans le désespoir qu'il a pris une autre femme, sa servante, Agar. Il a eu Ismaël. Ismaël, c'est le fils biologique d'Abraham. Ce n'est pas un enfant adoptif. Ismaël, c'est le sang d'Abraham. Mais Dieu est tellement un Dieu d'ordre. Dieu lui a dit non, c'est Isaac. C'est Isaac. Oui, le fils vient de toi. Et ce n'est pas selon l'ordre que j'ai été. Quelqu'un me dit amen. Au baptême de Jésus, à un moment donné, Jean-Baptiste a dit, puisque tu es plus grand que moi, c'est mieux que tu me baptises. Jésus lui a dit, dans le royaume, ce n'est pas question des grands et des petits. C'est question d'ordre. Si le Seigneur avait dit, c'est toi qui me baptises, je ne suis pas complexé. Ça ne diminue en rien. Et pour ça honore Dieu. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Parce que ça respecte l'ordre que Dieu a établi. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a parlé à Moïse, il a dit, prends garde de faire le tabernacle selon le modèle que tu as vu ici. Parce que Jésus est Dieu d'ordre. Fais ce que tu as vu. Ne fais pas comme toi tu veux. C'est un Dieu d'ordre. Et comment tu sais que les ténèbres te combattent? Comment je saurais que les ténèbres me combattent? Quand l'ordre commence à être renversé. Quelqu'un me dit amen. Quand l'ordre commence à être renversé. Quand je ne peux plus m'organiser. L'absence d'ordre est un signe de malédiction. Quelqu'un me dit amen. L'absence d'ordre est un signe de malédiction. Dans la Bible, il y a un garçon qui était né l'aîné. Le jour où il a renversé cet ordre, il a été maudit. Et Esaü était l'aîné. Mais le jour où il a dit, Dieu m'a donné les droits de naissance. Mais je pense que Dieu ne se préoccupe pas de ces choses-là. Pour la nourriture, prends mon droit de naissance. La Bible dit, il a pleuré devant son père. Il a dit à son père, bénis-moi, son père l'a maudit au contraire. Quelqu'un me dit amen. Dieu est un Dieu d'ordre, mon frère, ma soeur. Là où l'ordre est renversé, l'activité des ténèbres augmente. Quelqu'un me dit amen. Là où l'ordre est renversé, l'activité des ténèbres augmente. Si dans chaque famille où la femme domine l'ordre, où la femme dirige l'ordre, il y a toujours des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes d'émotionnels. Parce que l'ordre de Dieu est renversé. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et la plupart des problèmes que nous avons dans nos pays aujourd'hui, parce que l'ordre est en train d'être renversé. Dans l'église, quand l'ordre est renversé, cette église n'opère plus bien. Le Saint-Esprit n'opère pas quand l'ordre est renversé. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait les soucis de l'église de Corinthe. C'est comme ça que dans le chapitre 12, il a insisté sur l'ordre. Quelqu'un me dit amen. C'était une église où il y avait les dons spirituels qui opéraient, mais il y avait un problème d'ordre. C'est comme ça que l'apôtre a donné l'enseignement.
Il a dit oui, je peux avoir tous les dons. Mais s'il n'y a pas l'ordre, s'il n'y a pas d'abord l'amour, ça ne marche pas. Voilà pourquoi il a dit, vous pouvez prophétiser, mais après l'autre. Pourquoi l'ordre? Il a dit, vous la sainte, ne marchez pas chacun de son côté. Attendez-vous ensemble. C'est pourquoi l'ordre. Même les dons que Dieu nous donne, quand nous les exerçons sans ordre, ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Dans l'église, je vais avoir les dons, mais si je ne me soumets pas à l'ordre établi, ces dons-là ne profitent à personne. Quelqu'un me dit amen. Soit un signe que les ténèbres opèrent, c'est l'ordre pas. Alléluia. Dans ma vie, quand je ne suis pas ordonné, c'est un signe que les ténèbres sont en train d'occuper. Quand j'ai du mal à organiser ma vie, quand j'ai du mal à organiser ma famille, quand j'ai du mal à organiser l'église, quand j'ai du mal à organiser mes affaires, mes finances, c'est un signe que les ténèbres sont en train de me combattre. Alléluia. Troisième chose que nous avons dit, qui montre qu'il y a confusion. Et là où il y a confusion, il y a les ténèbres. C'est qu'on considère une chose pour une autre. Et on considère une personne pour une autre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons dit dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 21, une histoire que j'aime beaucoup. Ça me fait du bien quand je lis cette histoire-là. C'est le mariage de Jacob. Tu connais l'histoire. Jacob, c'est un jeune homme qui vient de prendre les droits de naissance de son frère. Tu connais Jacob, c'est que tu ne peux pas jouer à côté de Jacob, il va te voler ce qui t'appartient. Maintenant, son frère veut le tuer et il fouille chez son oncle. Et quand il arrive là-bas, il voit Rachel et il aime Rachel, mais il n'a pas la dot. Parce qu'il n'a pas encore les papiers, il n'a pas encore le séjour, il n'a pas le permis de travail, donc il n'a pas de dot. Alors, maintenant, son oncle lui dit, puisque tu es arrivé ici comme un fugitif, tu n'as ni valise, ni rien, je vais te donner l'opportunité de travailler, mais au lieu de te payer, je vais prendre le salaire comme la dot. Jacob a dit, j'aime tellement cette fille-là, je préfère travailler sans être payé. Tu comprends la douleur de ce garçon. S'est réveillé le matin, en hiver comme demain, et aller travailler, mais on ne te paye pas. En fait, on te paye, mais tu ne touches pas le salaire. Et quand Jacob a travaillé, il a atteint les montants convenus. Maintenant, il faut aller faire la dot. Et c'est comme ça que l'oncle lui a dit, ça sera le soir. Quelqu'un dit, fais attention aux choses qui se passent le soir. Alléluia. Vois pourquoi moi je bénis le Seigneur, parce que la première fois que j'ai vu ma femme, c'était la journée. J'ai passé, et puis on l'a vu assise devant leur magasin, avec un ami qui est à Bruxelles, et puis on s'est arrêté. Et puis on est entré dans les magasins. Elle ne connaît pas salon de coiffure. Elle ne connaît pas, moi je ne la connais pas. Maintenant, comment on va s'introduire? Chez nous, les prédicateurs, nous sommes timides. Hein? À l'époque, je n'étais pas encore prédicateur, mais la peine était déjà cachée. J'avais 22 ans. Et on est entré dans le salon de coiffure. Parce qu'on voulait qu'elle nous suive pour qu'on parle. Parce qu'elle était assise dehors, on voyait les gens et tout ça. Et puis quand on est entré, elle est entrée. Mais toutes les victoires sont précédées par les combats. Et le combat a commencé. Parce que sa tante aussi est entrée. Maintenant, comme sa tante est entrée, je ne sais pas si elle avait compris la manœuvre, mais elle est entrée, elle a dit, vous cherchez quoi? Et puis nous avons dit, on veut faire les kerries. On appelait ça kerries à l'époque.
On veut tourner les cheveux et tout ça. Et la tante a commencé à nous montrer les produits, on était très découragés. Elle parle des produits, on dit maman, on n'est pas là pour les produits, s'il te plaît. Est-ce que tu ne pouvais pas rester dehors? Et nous sommes partis ce jour-là, rien ne s'est passé. Très difficile, maman, rien ne s'est passé. Comme on dit chez moi, Dieu ne dort pas, il s'est réveillé. Un jour, j'ai découvert qu'un ami était son cousin. Et cet ami était là-bas, dans le même magasin. Et moi, je passais, il m'a fait signe. Il est venu dans notre quartier. Et je me suis arrêté. Et j'ai parlé avec lui. Elle est arrivée. On s'est salué. Mon cœur battait le sang. Tu pouvais voir sous ma chemise. Là. Et j'ai dit à mon ami, tu connais la fille? Il a dit, je connais la fille. Et je dis, non. Moi, mon cœur est abîmé depuis qu'elle est là. Alléluia. Amen. On s'est rencontré les jours. Mais ces jours-là, on a dit à Jacob, ça sera le soir. Le soir, c'est le signe des ténèbres. On a donné la dot. C'est bon. Jacob regarde. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'imagine les histoires de la Bible, ne fais pas comme moi. J'imagine Jacob en train de brosser les dents le matin. Il dit, maman, c'est ce qui m'a amené l'eau. Des fois, j'ai dit aux jeunes, la dot sera le jour. Faites ça le jour. Vois bien la femme. Prends pas une Léa à la place de Rachel. Alléluia. Amen. Quand il y a la confusion dans ta vie, tu confonds les personnes. Et puis nous avons dit aussi que quand il y a la confusion, on mélange ce qui doit être séparé. Dans le chapitre 10, les enfants d'Aaron ont mélangé ce qui devait être séparé. Et on avait établi les tabernacles. Et dans les tabernacles, il y avait des autels qui étaient prévus. C'est là que tu allumes le feu. Dans le parvis, il y a un autel. Tu avances comme ça, il y a l'autel des parfums. C'était là. Tu ne peux pas allumer un autre feu. Parce que tu vas mélanger ce qui doit être séparé. Et ces garçons-là, ils ont pris un brasier. Ils ont allumé le feu. Ils ont voulu donner à Dieu ce qui n'était pas à Dieu. La Bible dit, ils sont morts ces jours-là. Tu vois, quand il y a la confusion, les ténèbres entrent, il y a le mélange. On mélange ce qu'on doit séparer. Et c'est comme ça que quand tu lis les livres de Lévitique, le Seigneur va dire, ou l'Ancien Testament, il va dire que quand l'homme couche avec la bête, c'est la confusion, n'est-ce pas? Il dit quand un homme couche avec sa fille, c'est quoi? C'est la confusion. Parce que tu mélanges des choses qui ne doivent pas être mélangées. Quand tu vis dans ta vie, et tu commences à avoir envie de mettre ensemble ce qui doit être séparé, c'est un signe que le terrain marche. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus est venu, il a appelé l'Église, un peuple appelé à part. Il dit, sortez des milieux et séparez-vous. Parce que si vous restez ensemble, c'est la confusion. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, sois chaud ou sois froid. Parce que quand tu es mélangé, je ne suis pas dedans. Dieu n'est pas un Dieu de mélange, mais un Dieu de distinction. Dieu n'est pas un Dieu de mélange, mais un Dieu de distinction. Dieu se distingue toujours. Alléluia. Il se distingue toujours. Souviens-toi quand on a pris l'arche, on a placé ça dans le temple des Dagon, les statues des Dagon ici. L'arche, la mère a dit non, on ne peut pas me mettre dans la même pièce, c'est notre Dieu. Je ne suis pas un Dieu qu'on peut mélanger. La Bible de Dieu, on a trouvé la statue de son père, mon frère. Parce que Dieu voulait dire, ne me mélangez pas. Et c'est comme ça qu'on a donné les signes de la confusion. Je ne vis pas le plan de Dieu. Alors que je suis un enfant de Dieu. Deux, je suis mélangé. Je ne confonds les personnes. Trois, je vis dans des désordres. Il n'y a pas d'ordre dans ma vie. Quatre, je mélange ce qui est saint
avec ce qui est sous. Mon cœur, mais je suis dans la rébellion, c'est un mélange. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de soumission, et l'esprit de la puissance et de l'air, l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Là où il y a la rébellion, Dieu n'est même pas un centimètre là-dedans. Alléluia. Parce que celui qui s'est révélé au ciel, il a perdu sa place au ciel. Au ciel, il y a un ordre. Il n'y a pas de rébellion. Au ciel, il y a l'intimité et la communion. Au ciel, personne ne veut être plus grand. Dans la Trinité, personne ne veut être plus grand. On a parlé de reconnaître leur ministère. Alors j'avais dit, à la fin de ce séminaire, je vais reconnaître ses frères. Et comme d'habitude, depuis deux années déjà, ça c'est la deuxième année, le Seigneur me met toujours à cœur d'être avec mon ami le docteur Michaud. Et je lui avais demandé de venir lui assister aussi durant cette cérémonie. Amen. Hein. Alors, il y a deux personnes que le Seigneur a mis en évidence et qu'il a choisi pour que nous puissions reconnaître leur ministère pastoral. Et ce sont les deux personnes que Dieu veut reconnaître en ce jour. Amen. Amen. Et le Seigneur, en les choisissant, il a choisi l'un d'eux comme pasteur titulaire ici. Il sera pasteur titulaire ici et l'autre sera sur notre Dieu. Alors celui qui sera pasteur titulaire ici dans cette assemblée qui me remplace, qui va continuer à œuvrer pour la gloire du Seigneur dans cette œuvre, c'est mon frère bien-aimé que j'aime beaucoup, Jean-Claude Matita. Il peut se lever en attendant le Seigneur. Quelqu'un que Dieu a placé à ses côtés. Amen. C'est quelqu'un qui pleut, qui neige. Que le vent souffle, que le vent ne souffle pas. Amen. Il est présent. Amen. L'année dernière, le docteur Michaud avait prié même pour lui. Et moi, je ne savais même pas ce qui allait se passer. Or, le docteur a libéré quelque chose et nous avons reconnu que ce frère a un ministère. C'est un frère fidèle et loyal. Vous savez, dans le domaine du ministère, il faut avoir des personnes loyales. Les gens qui craignent Dieu, qui marchent avec le Seigneur, ils sont loyaux aussi. Il s'appelle Mathias Matalatana. Bien parler et j'ai mis ce son là. Et je vais vous présenter un peu le prier qui est le pasteur qui sera ici, le pasteur titulaire de cette assemblée, la Trinité de France. Nous sommes une extension de l'église de la Trinité Kinshasa et l'église des assemblées de Dieu que je dirige et que je ne dirigerai plus, mais je serai maintenant de loin en train de voir qui sera dirigé par. Mon frère Jean-Claude Matita, assisté par mon frère Mathias Matata. Alors, le frère. Et nous passons à notre frère Mathias Matalatala. Né à Kinshasa le 16 novembre 1967, de papa Matalatala Floribert, puis à son âme, que le Seigneur le garde, et de maman Kikungu Françoise, puis à son âme aussi. Il a reçu le Seigneur en 2004 au ministère évangélique de la gloire de Christ du docteur Joseph Souzouzi. Il a servi plusieurs années au département de l'intercession. Il est venu en France en 2012. Venu en France en 2012 à Saint-Étienne, il a aussi travaillé avec le prophète Carole qui était assis là parce qu'il part à Kinshasa. Là, il va prendre son vol à 20h. Il a servi là-bas et il va venir à Paris en 2013. Je me souviens encore de son arrivée à l'église en 2013 au Centre évangélique de la Trinité de France. Il a aussi travaillé plusieurs années
jusqu'à ce jour à l'équipe d'intercession. Amen, hein? Amen. Et en janvier, le Seigneur nous avait mis à cœur de le mettre comme assistant pastoral. Il a œuvré auprès de moi jusqu'à ce jour. Un frère fidèle qui aime le Seigneur. Il est marié à Obalo Ndambé. Excusez-moi d'avoir parlé à Lingala, mais j'aime beaucoup cette phrase-là. À un moment, ça dit, ah, il peut s'élever. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. J'invite le bien-aimé de passer devant. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11, celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Alors le Seigneur en ces jours, pour préparer son peuple, il a choisi dans le ministère notre bien-aimé frère Jean-Claude Mateta et son épouse. Il a choisi aussi notre bien-aimé Mathias Matalatala et son épouse. Le but de ces choix, c'est pour bâtir le corps du Christ, pour apporter une unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Et le Seigneur les a choisis pour enfin qu'ils amènent les saints à la maturité et à la plénitude de Christ. Je demande aux bien-aimés qui ont leur portable de retourner à leur place. Seulement les photographes, les caméramans de l'église qui sont autorisés. Si vous voulez prendre des photos, prenez-les de l'autre côté. Si c'est de l'église, restez là où vous êtes. Cette grâce que le Seigneur vous a fait, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'a pas été soit le fruit de la pensée d'un homme, mais c'était le Seigneur lui-même qui vous a choisi pour vous mettre à part afin de diriger cette assemblée. Nous croyons à la grâce et à la force que le Saint-Esprit vous accorde pour que vous puissiez exercer ce ministère. Amen. Je vous laisse la parole à tous les rôles pour que vous puissiez lire les textes que vous avez.